Salut à tous, bienvenue sur Infostar pour votre minute d'actualité. Si c'est la première fois que vous passez par ici, n'hésitez pas, abonnez-vous, et cliquez sur la cloche de notification pour ne rien rater des prochaines actualités. Maintenant que le rap est devenu le principal genre de musique consommée au monde, et qu'il influence même le reggaeton et d'autres cultures, la société civile s'intéresse fortement au phénomène. D'ailleurs, on voit tous les ans, notamment en France, des références au rap game calées dans certains sujets du bac ou dans certains cours. Mais d'autres ont carrément décidé de l'étudier en tant que phénomène culturel, social et historique, en mettant en avant les grands personnages de l'histoire de cette musique et leur impact dans le monde. Cette fois, c'est Nicki Minaj qui va être mise à l'honneur par les universitaires. En effet, la rappeuse aura désormais son propre cours enseigné à l'université de Berkeley. Ces dernières années, Nicki Minaj s'est distinguée par ses engagements et par une volonté d'éclairer le monde. Par définition, quoi de mieux que de créer son propre cours dans une université de renom? C'est en Californie, à l'université de Berkeley, que la rappeuse troquera son costume pour celui des professeurs. Un cours dont l'intitulé sera apparemment « Nicki Minaj, la Black Barbie » et qui va étudier son impact dans le rap sous un angle historico-social et féministe. Ils vont probablement aborder le sujet du rapport au corps assez décomplexé de la chanteuse, ses paroles crues et la manière dont elle est devenue une artiste dominante, influençant toutes les rappeurs féminines après elle, de Cardi B à Shy, par exemple. La rappeuse s'est évidemment félicitée de cette actualité. Pour ceux qui sont chauds à partir à l'étranger pour les études, sachez que les cours sur Nicki auront lieu les mardis et jeudis et qu'ils durent 1h30. Quant à Nicki Minaj, elle vient de sortir une énorme mixtape fin août, avec beaucoup de monde, Eminem, De Chainz, Lil Baby, Lil Wayne, Drake, et continue d'être la queen de ce game. Longue vie à elle.